Non, c'est juste pour informer à nos jeunes frères candidats au BPC que demain, il y aura l'opération zéro fonds pour le transport aux candidats. Donc demain, 6 h déjà, on sera déjà au péage de Mengo. Et puis, on fera le ramassage. Les enfants concernés, ceux de Luandili 1. Ben maintenant, vous voyez, tout au long de Mongompoukou jusqu'à aux différents centres, il y a des enfants de Mongompoukou aussi. Il y a des enfants de Luandili 1, il y a des enfants de Luandili 2. Donc, on ne laissera personne. Tout candidat qui sera en tenue avec sa carte sera embarqué dans les bus. La dernière expérience, c'était une surprise pour les enfants, mais le deuxième jour, c'était vraiment chaud. Il y a eu l'engouement. Mais on se rend compte qu'au BPC, le BPC a plus de candidats. Voilà pourquoi nous avons augmenté le nombre des bus pour satisfaire un peu aux jeunes. La dernière fois, nous étions à 10 bus et là, nous sommes obligés d'ajouter 10 pour que ça fasse 20. La dynamique des jeunes de Luandili est une dynamique bien organisée. On ne fait pas des choses à moitié. Donc, du coup, ces bus-là vont aller déposer les candidats. C'est-à-dire qu'ils feront 3 tours le matin et 3 tours les après-midi.